enfants, le thème de votre composition pour vendredi va vous conduire au plus profond de vous-même. Vous allez vivre une aventure extraordinaire. Oui, Phil ? Est-ce que l'orthographe compte ? Bien sûr ! Cette semaine, le sujet de votre rédaction française sera « Mon meilleur ami ». On sait déjà qui choisir, pas vrai ? Hé, Tidji, je te rappelle que Spinelli, ça prend deux L. Comment je vais m'en sortir ? Gigi, attends, quelle est ta couleur préférée? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? On est bien obligé de se choisir un ami dans la classe pour ce devoir débile. Mais ça veut pas dire qu'on est copains. Lâche-moi, va jouer aux billes, Randall. Je te paierai 5 $. Hé, hey, super, la rédac pour vendredi. Rien de plus facile que d'écrire sur son meilleur ami dans la vie, pas vrai? Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai même commencé à composer un poème sur le sujet. Il met sa casquette à l'envers et quitte jamais son blouson vert. Mon meilleur copain est super. Moi aussi, j'ai pris des notes sur mon meilleur ami. J'espère que ça ne va pas vous paraître trop sentimental. Et non, c'est du problème. Devinez qui est mon meilleur ami, sachant que petit A, c'est un garçon, plutôt court sur pattes et... Hé, hey, pas si vite. J'ai l'impression que vous avez tous écrit sur Tidji. Oui, en ce qui me concerne, je le confirme, mais je ne sais pas qui Mickey décrivait. Vous ne pouvez pas écrire sur Tidji, c'est moi qui l'ai pris comme sujet. C'est ridicule, c'est moi sa meilleure amie. Non, c'est pas ça. Il n'y a qu'un moyen de résoudre ce problème. Qui est ton meilleur ami dans la classe? Vas-y, n'aie pas peur, dis-leur. Pour être honnête, en vérité, je... Allez, tu te rappelles que je t'ai porté pour que tu puisses récupérer ton cerf-volant en haut de l'arbre? C'est vrai, mais... Tu ne vas pas t'arrêter à ça alors que j'ai passé des heures à te donner des cours de grammaire. Oui, je reconnais Attends, que... Attends, tu vas pas te laisser influencer par une nana? Nana? Qu'est-ce que tu traites de nana? T'as raison, t'as rien d'une fille. Arrête, Spinelli. Toi, Minus, ça t'a pas sonné. C'est mon meilleur ami que t'appelles Minus, gros lard. Qui c'est ton meilleur ami? Ça ne vaut pas le coup de se disputer, on est tous copains, qui c'est le meilleur, on s'en fiche. Moi je me fiche pas de savoir qui est mon meilleur ami. Si tu le prends comme ça, pour moi c'est terminé. T'es plus mon copain et vous, je veux plus vous voir. Je suis d'accord avec lui. Moi aussi, salut. Je dirais plutôt adieu. Ouais, ils ont dit tout ce que je pensais. Attendez, enfin, non, revenez, c'est trop bête. Ils t'abandonnent tous comme une vieille chaussette. Alors, quelle est ta couleur préférée? Quand il y a de la place pour un, il y en a pour deux. Et on voit la balle par ici, tiens. Quel honneur, l'idole des jeunes en personne. Va jouer ailleurs, Randall. Oh, tu t'es levé du mauvais pied ou tu es tombé du lit ce matin? Lâche-moi les baskets, je cherche mes copains. Tes copains? Laisse-moi te dire une bonne chose sur les copains, Tidji. Les copains, ça te donne rendez-vous au ciné et tu les revois jamais. Les copains, ils t'affirment que la mare n'est pas profonde et vlan, tu t'enfonces dedans jusqu'au cou et ils rigolent. Et ils veulent te prendre ton caleçon pour en faire un drapeau quand t'es encore dedans. Les copains, ça te pourrit la vie et c'est tout. Écoute, parle pour toi parce que mes copains à moi sont les meilleurs qu'on puisse avoir. Ah oui, tu crois ça? Viens, on va voir ce qu'ils fabriquent. Qu'est-ce qu'on fait là? Je ne vois pas mes amis. Oh, t'as qu'à lever la tête. Il y en a un. Vince? Pas si vite, où est-ce que tu vas comme ça? Je viens voir Vince. T'as rendez-vous? Je suis son ami. Mais pas ton meilleur ami. Oh, qu'est-ce que les autres auraient pensé si j'avais dit que tu étais mon meilleur copain? Maintenant qu'ils sont plus là, tu peux le dire. Impossible. Dans ce cas, la discussion est terminée. Mais c'est injuste, t'as pas le droit de... Chut, le roi Bob me demande pour un massage de pied. Mais enfin, alors là, je n'en reviens pas. Vince à la botte du roi Bob, c'est incroyable. Tu trouverais ça encore plus incroyable si tu savais avec qui Gretchen traînait. Avec qui Gretchen est en train de jouer? Waouh, quelle expérience. C'est toi, Gretchen? Oh tiens, salut, Théodore. Qu'est-ce que tu fabriques? Je travaille ma rédaction sur ma nouvelle meilleure copine, Cochon Pendu, grâce à mon stylo spécial de la NASA. Mais t'as jamais aimé jouer la tête à l'envers comme Cochon Pendu? Ce qui prouve que tu n'as jamais prêté attention à moi, en vérité. Mais enfin... Ça suffit, je refuse de continuer à discuter, c'est trop facile de vomir dans cette position. C'est vraiment bizarre. Gretchen joue les chauves-souris avec Cochon Pendu, Vince est avec Bob... Gus creuse un tunnel avec les taupes. Oups! Est-ce que j'aurais pas fait une gaffe par hasard? Si ça t'intéresse, je me fiche complètement de ne plus jouer avec toi ou tous les autres de la bande. Tu plaisantes, Gus, tu préfères jouer avec les deux taupes? Ah oui, Sam et Dave sont super. Ils me laissent creuser autant que je veux. J'ai même le droit de ramasser plein de pierres brillantes. Hé, hey, gros fainéant, la pause est terminée. Prends une pelle de calibre 4. À tes ordres! Je ferais mieux d'y aller, mes copains ont besoin de moi. Ils peuvent attendre une minute. Oh non, si je suis en retard, ils vont me confisquer mon casque.
C'est horrible, qu'est-ce qui leur arrive? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On dirait que tu bois du noir, je crois que tu as besoin d'un conseil éclairé. Tu es un homme libre intérieurement grâce à la force de la pensée. Oh, t'en as de bonne, toi. Comment tu veux que je sois libre pendant mes 3 heures de colle? Suivant. Félicitations, mon fils, je vois que tu apprends vite. Merci, grand gourou, toi au moins t'es un vrai ami. Pas comme certains qui m'ont trahi. Mickey, qu'est-ce que tu fabriques? Je communie avec ceux qui savent apprécier mes dons spirituels. Oh, moi aussi je reconnais tes dons spirituels, t'en fais pas. Allez, tu peux retirer ta chemise de ta tête et on enterre la hache de guerre. Non, je regrette, mais je suis trop déçue pour refaire copain avec vous tous. Maintenant, laisse-moi, s'il te plaît, il y a des enfants qui ont besoin de mon aide pour des choses plus importantes. Bonjour au grand Mickey, j'ai traversé 1000 dangers dans la cour de récréation pour profiter de tes dons spirituels innés. Vas-y, je t'écoute, mon enfant. Comment convaincre mes parents de me laisser regarder la télé? Tu es toujours libre intérieurement par la seule force de la pensée. Bon, d'accord, dis-moi où est Spinelli. Qui est le chef de votre bande? Spinelli. Qui est votre héroïne? Spinelli. Oh non, c'est pas possible. Aussi, il l'adore, la preuve, elle est devenue leur reine. Cherchez un autre jus d'orange et rapporte-moi aussi un glout au choco. Des intrus dans notre camp? Amenez-les-moi sur le champ. Aïe, attention, tu me tords les doigts. Pas la peine de résister, ça les énerve encore plus. Voyons un peu ce que nous avons attrapé. Une fouine et un serpent. Qu'est-ce que tu fais là, Spinelli? C'est Spinoudi maintenant. Spinoudi? Ils n'ont que 5 ans, ils n'arrivent pas à prononcer Spinelli. Ciao, Spinoudi, c'est un plat de paschetti. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais écoute, Spinel... Oudi, tout va de travers à cause du sujet de la rédaction, mais c'est un malentendu. Ah, c'est notre amitié qui était une erreur. Heureusement que les petits étaient là pour me remonter le moral. Aujourd'hui, ce sont eux mes meilleurs amis. Mais Spinoudi, je... Toubi, montre-leur la porte de sortie. Toubi, avoir faim. Oh, oh. Au secours! Chantez pour moi, les enfants. Oh, ce que c'est bon d'être la reine. Encore un peu, on était cuits. Oh, ça me dépasse, ils ne veulent même plus être amis entre eux. Alors, tu es convaincu, TJ? Choisis ton meilleur ami vite fait, sinon t'auras rien à écrire sur ta rédaction. T'as peut-être raison, Randall. T'as peut-être raison. Excellente recherche, Gretchen. Je suis contente de voir que tu t'es liée avec Cochon Pendu, mais en général, on appelle nos amis par leur prénom. Spinelli, ton devoir était très inspiré, quoique assez primitif. Tu t'es creusé la tête, Gus. Mais c'était dur de te déchiffrer à travers cette saleté. TJ, je ne vois pas ta copie avec les autres. Je l'ai peut-être rangée dans un tiroir. Non, ou bien... Miss Grotteque, vous ne l'avez pas perdue. C'est moi qui ne l'ai pas rendue. Oh, mais j'ai quand même fait la rédaction. Je ne l'ai pas donnée parce que je préférais vous la lire tout haut. J'avoue que c'est assez inhabituel, mais je t'encourage. L'expression orale, ça compte aussi. Allez, à toi. Mon meilleur ami par TJ Detweiler. D'après les gens, le meilleur ami, c'est le plus important qu'un enfant puisse avoir. Votre meilleur ami peut vous faire rire, vous donner des conseils et même vous en demander si jamais il en a besoin. C'est merveilleux pour ceux qui possèdent un meilleur ami, mais ce n'est pas mon cas. Je n'ai aucun meilleur ami. Quoi? C'est pas possible, tu te rends compte? J'ai quand même plein de copains. Il y en a un qui est un vrai athlète, tout le monde l'adore à l'école. Il pourrait jouer avec n'importe qui, mais souvent il préfère jouer avec moi. J'ai une copine tellement intelligente qu'elle pourrait même fabriquer une bombe atomique. Mais au lieu de ça, elle utilise sa matière grise pour me donner un coup de main. J'ai une autre amie qui est si dure à cuire qu'elle pourrait étaler un garçon 2 fois comme elle. Mais elle préfère prendre la défense de ceux qui sont trop petits pour ça. Un autre copain à moi est aussi impressionnant qu'une baleine. Alors il peut faire peur à ceux qui ne le connaissent pas. Mais il est plus doux qu'un koala. En vérité, il possède un cœur en or. Le dernier de mes copains passe souvent pour un trouillard, mais au fond de moi, je sais bien que c'est un héros. Oui, à chaque fois que je le vois ravaler sa peur pour remplir ses missions, là je me dis que ce garçon a vraiment du cran. Certains pensent qu'il n'y a rien de plus important pour un enfant que son meilleur ami, mais j'ai envie de dire, pourquoi en choisir un? Mes amis sont tous importants à mes yeux. Alors ce n'est pas la peine de me plaindre, parce que j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas un seul meilleur ami, j'en ai 5. Ouais. J'avais pensé qu'il me prenait pour un athlète. Ça fait plaisir de voir la bande au complet comme avant, pas vrai? J'espère qu'on se disputera plus jamais. Tu peux compter sur moi. Excuse-moi de t'avoir traité de petite nana. Ne t'inquiète pas, c'est oublié. Et excuse-moi aussi de t'avoir appelé gros lard, Mickey. Y a pas de quoi en faire un drame. Quand on est les meilleurs amis, on peut tous dire... Oui, voilà ce qu'on est, les 6 meilleurs amis. Des amis? Qui a besoin d'amis? Service, Randall. Oh, bien joué, Randall. À moi.
Bravo, cher adversaire. Prends ça, toi. Retour à l'envoyeur. Oh, mon dé. Hypnotiseur, mon œil, c'est un baratineur. Ouais, c'est de la triche, tout le monde le sait. Non, je ne suis pas certaine que vous ayez raison sur ce point. D'après ce bouquin, l'hypnose est un merveilleux outil pour s'introduire dans le subconscient. Un peu de silence, les enfants, du calme. Aujourd'hui, petits et grands vont avoir le plaisir d'être divertis par l'incroyable et talentueux Jeffrey, grâce aux parents d'élèves qui pensent qu'à l'école, on doit aussi s'amuser. Enfin bon, je vous demande donc d'acclamer comme il le mérite, le seul et l'unique, l'incroyable Jeffrey. Bonjour à tous, je suis l'incroyable Jeffrey, le maître absolu du subconscient. Il a l'air encore plus idiot que sur son affiche. Pour ma première démonstration, j'aurais besoin d'un volontaire dans la salle. D'accord. Un professeur souhaite-t-il se porter volontaire? Dommage. Miss Finster, me ferez-vous l'honneur? Un quoi? Non mais allez-y, Finster, plus vite vous vous dévouerez, plus vite on s'en débarrasse. Son courage et sa spontanéité méritent tous vos applaudissements. Alors dites-moi, Miss Finster, quel âge avez-vous? Ce ne sont pas vos oignons. Allez, donnez-moi une idée approximative. Non. Je vous situe dans les 60 ans, disons 30. D'accord, si vous insistez, 25. Je vais maintenant réussir à convaincre Miss Finster qu'elle n'a plus 25 ans, mais 6 ans. Concentrez-vous sur mon stylo, Miss Finster. Moi, quelle loufoquerie. Mais je lis son stylo. Concentrez-vous bien sur le stylo. Vous ne voyez plus que le stylo bille. Oui, je ne vois plus que le stylo. Le compte à rebours a commencé. Vous vous sentez rajeunir à chaque seconde. Je me sens rajeunir à chaque seconde. Vous redevenez l'enfant que vous étiez. Quand je taperai dans les mains, vous serez sûr d'avoir 6 ans. Maintenant, ma puce, quel âge as-tu? Je vous ai déjà dit que c'était pas vos oignons. Moi, j'ai 6 ans et même 7 ans en juin. Ce gars était complètement ringard. Oui, je t'avais dit que c'était bidon de A à Z. C'est très étonnant, il a pourtant agi dans les règles de l'art. Nous avions conclu un marché. Vous me devez de l'argent même si je n'ai hypnotisé personne. C'est ce que vous croyez, mon petit bonhomme. Je conduis un bateau à moteur. Regardez le principal Brickley. J'ai entendu dire Yahoo. Je suis une chauve-souris. Youpi. On dirait que le principal Prickly a la tête à l'envers. Est-ce qu'il a vraiment osé faire ce qu'il a fait? Oui. Ah, je suis dans le noir, laissez-moi sortir. Attention Spinelli, n'oublie pas qu'il remplit ton bulletin scolaire. En plus, je crois que c'était plus fort que lui. Pourquoi tu dis ça, Gretchen? Je me contente d'observer les faits. À 10h ce matin, l'incroyable Jeffrey ne réussit pas à convaincre Miss Finster qu'elle est en CP. À 10h30, le principal Prickly fait le sage et prétend être une chauve-souris. Coïncidence, ça m'étonnerait. D'après toi, Monsieur Prickly s'imagine... Il n'a que 6 ans. Tu en es sûr? Je suis le plus fort. Oui, presque certaine. Mais c'est affreux, il faut tout de suite prévenir les professeurs. Attends une minute, réfléchis, ça peut être intéressant. J'avoue que je te comprends pas. Le principal croit qu'il est comme nous. C'est pas demain la veille que ça se représentera. Je crois que je commence à comprendre où tu veux en venir. Génial, un gamin aux commandes. Les opportunités sont illimitées. Attention les gars, personne d'autre que nous ne doit le savoir. Vous n'avez pas le droit de traiter l'incroyable Jeffrey de cette façon, je suis un professionnel. Oui, c'est ça, j'ai vu de meilleurs spectacles organisés par des CP. Miss Finster, Miss Finster. Oui, mon garçon. Je sens que vous n'allez pas être contente, mais alors pas du tout, Miss. Que se passe-t-il? Eh ben... Quoi? Vas-y, Vince, manque lui dire que tu veux devenir son ami. Moi? Pourquoi ce sera à moi d'y aller? C'était ton idée. Oh oh, voilà Finster. Monsieur le principal Prickly, je vous prie de descendre avant que toute l'école ne vous voie. Mais pourquoi est-ce que vous me dites monsieur? Je m'appelle Peter, Peter Prickly. Bon d'accord, je veux bien t'appeler Peter, mais ça ne te dispense pas de descendre tout de suite. Non, 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 je fais ce que je veux, vous m'en empêcherez pas. Non mais enfin. Ouais, moi je fais le singe, vous m'attraperez pas, vous m'attraperez pas. Lemon, téléphonez immédiatement à cet hypnotiseur et Grotke, réunissez les professeurs. Oh, c'est un désastre, le principal s'imagine qu'il a 6 ans. Alors Peter, tu t'amuses bien? Super, la boue est exactement comme il faut. T'as envie que je te raconte une bonne blague? Ah oui? Tu vas pas en croire tes oreilles, les professeurs s'imaginent que c'est toi le principal. Le principal? Ils sont malades et je viens d'entrer au cours préparatoire. Oui, mais en tout cas ils en sont persuadés. Alors tu sais ce qui pourrait être marrant? Quoi? C'est d'aller les voir en faisant comme si c'était toi le principal. Ah oui, on va s'amuser comme des fous. Ah oui, ça me plaît, j'ai envie d'y aller. Le principal se prend pour un enfant? C'est abominable. Mais il faut téléphoner à l'incroyable Jeffrey. Impossible, il a
avait un rendez-vous pour fêter une bar mitzvah. Ça lui prendrait pas longtemps. Au Pérou. Il faut que on se calme, ne céderons pas à la panique. C'est moi qui reprends ses fonctions. Alors là, cours toujours. C'est moi le grand principal Prinkly, la terreur de l'école. Principal Prinkly, vous vous sentez bien? Oui, je suis en pleine forme. J'avais oublié que le principal c'était moi, mais heureusement que j'ai mon gendarme. J'ai aussi une liste pour vous, ce sont mes ordres. Numéro 1, je demande qu'à la cantine, on serve aux enfants uniquement de la pizza et des... gras. Serait-ce du gratin dauphinois? Mais oui, des glaces. Numéro B, les profs devront montrer un laissez-passer aux enfants, mais eux, ils pourront se promener partout, même en salle des profs. Alors, il marche ou pas? Oui, il court à fond la caisse. Génial! Voilà d'excellentes suggestions, principal Prickly. On va les donner à taper à la secrétaire pendant que vous jouerez avec votre ordinateur. Oh, Miss Finster, merci, j'adore les jeux! Excusez-moi, mais c'est pour votre bien. On a intérêt à trouver un autre hypnotiseur. Hé, hey, elle m'a enfermé! Oh là là, la tête! J'ai une idée. J'espère que tout va bien. Ça fait des heures qu'il est là-dedans. Relax, ils feront ce qu'il leur dira. Oui, il représente l'autorité. Tout le monde doit le respecter. 1, 2, 3, ça marche. B, C, D. Peut-être qu'ils vont pas s'en apercevoir. On a eu des haricots à la cantine. On demande monsieur le péteux au bureau. Monsieur le péteux. Écoutez ça. Burke, c'est une grossière pure. Oh, il l'a bloqué de l'intérieur. Mais où est-il? Regardez. Youhou! Félicitations, Peter, on est tous fiers de toi. Ouais, on n'est pas prêt d'oublier ton numéro de pétomane, on a bien rigolé. C'est gentil, les gars, et vous savez, j'ai jamais eu autant de copains, vous êtes super. T'inquiète pas, tant qu'on sera là, tu pourras toujours compter sur nous, on est tes amis. C'est vrai? Oh, c'est génial. Hé, hey, amenez-vous, le dernier à la balançoire, il mange une mouche. TJ, tu peux pas dire à Peter qu'on sera ses copains toute la vie. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas un enfant. Tu soulèves un point intéressant, car quelles que soient les affinités que nous pouvons avoir avec cet enfant de 6 ans, nous ne devons pas ignorer qu'en vérité, c'est le froid représentant de la loi que nous devons craindre. Comment dire que je commence à le trouver sympathique? Ne soyez pas si dur avec lui, ce n'est plus le principal. Et maintenant qu'il a 6 ans, moi je le trouve sympa. Il nous a bien fait rigoler, ne l'oubliez pas. Mais il pourra pas rester petit toute sa vie. C'est un adulte, on n'a pas le droit de le laisser dans cet état. On doit le déshypnotiser, sinon il peut lui arriver malheur. Oh, arrête, Mickey. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Étant donné la situation, je crois que nous n'avons pas le choix. Mais que voulez-vous dire, Miss Finster? Vu l'âge mental de notre principal, c'est à moi de diriger cet établissement. Et cela pour toujours. Bien entendu, cela doit rester entre nous. Oh! Hey, Peter, viens, il faut qu'on te parle. La parlotte, c'est bon pour les rigolotes. S'il te plaît, c'est important ce qu'on a à te dire. Quoi? T'es pas un enfant. Bien sûr que si. Je sais que ça a l'air absurde, mais tu as seulement l'impression d'avoir 6 ans. En vérité, tu en as 50 et tes rhumatismes te font souffrir. C'est pas vrai, non. Je suis pas un grand. Regarde-moi, je fais à peine 1 mètre. Si tu mesurais pas plus d'1 mètre, tu ne baisserais pas les yeux pour nous regarder. C'est parce que moi, je suis grand pour mon âge. Je suis pas un adulte. Je suis pas prêt à avoir 50 ans. Écoute, Peter, je sais que c'est super d'être un enfant, mais ça peut être encore mieux d'être grand. Oui, tu as le droit de conduire. De te coucher à minuit. De voir tous les films que tu veux au cinéma. Non, ça m'est égal. Je suis un enfant. Je veux rester un enfant. Non, attends! Attention, désolé, tu vas te faire mal! Non, jamais! Vous m'attraperez jamais! Je suis un petit garçon, j'ai 6 ans, je veux pas en avoir 50! Je suis trop jeune pour être vieux! Laissez-moi tranquille! Vous m'aurez pas! Je suis un petit garçon! Regarde attentivement le stylo, Peter! Fixe toute ton attention sur le stylo! Je vais compter à rebours et quand je dirai 1, tu redeviendras adulte! 5, 4, 3, 2, 1! Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder? Et pourquoi je me retrouve en caleçon? Miss Finster, au secours, Miss Finster, j'ai le vertige! Entrez! Voilà les petits vauriens qui avaient essayé de tirer profit de vous pendant que vous aviez perdu les... Oh, enfin, je veux dire que vous n'étiez plus vous-même. Alors, vous croyez qu'on peut se moquer comme ça du principal? On m'a raconté ce que vous avez manigancé. J'aurais honte à votre place et je crois que la punition que vous méritez pour votre comportement, c'est... Hé, hey, mais qui a fait ça? Monsieur le principal Prickly, je vous rappelle que vous étiez sur le point de punir cette bande de petits scélérats. Oui, c'est vrai. Ne recommencez pas, hein. C'est tout ce que vous dites? Oh, vous n'avez jamais été enfant, Miss Finster? Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail. Oh, d'accord, monsieur. Venez, bande de voyous.
Merci, Peter. Hein? Quoi? Je devrais peut-être me laisser pousser une barbichette.